ici le stade olympique de Colombes, où vous venez de pénétrer au moment où l'arbitre de la rencontre France-Brésil, M. Lobello, vient de siffler la fin de la minute de silence que nous observons aujourd'hui ici en l'honneur des déportés. Vous savez que c'est aujourd'hui la journée nationale des déportés. C'est un match captivant, nous l'espérons du moins, auquel nous allons assister. L'équipe de France, ici à gauche sur votre écran, maillot foncé, culotte blanche, et en face, les fameux Brésiliens avec, je vous le dis tout de suite, l'illustre Pelé. Top, vous pouvez déclencher votre chronomètre pour 45 minutes. L'illustre Pelé qui est là, et je vous donne très rapidement la composition des équipes. Avec, dans les buts du Brésil, Guilmar, qui se saisit de la balle en ce moment. Djalma Santos numéro 2, Eduardo numéro 3, Zito numéro 4, Diaz numéro 5, Altaïr numéro 6, et à l'avant Marcos numéro 7, Gerson numéro 8, Ney numéro 9, Pelé numéro 10 et Pepe numéro 11. Et du côté français, Carnus le gardien, Rodzic, Chorda, Leron à l'arrière avec Marian numéro 4, et à l'avant Wisniewski, Bonnel, Douis, Dinalo, Kosu. C'est une rencontre psychologiquement très importante. Vous venez de voir le célèbre ailier gauche brésilien Pepe, qui est peut-être le tireur le plus redoutable qui soit au monde, dans une démonstration de ses possibilités. Et ça n'est qu'un début, puisque le Brésil réclame un corner qui est refusé par l'arbitre M. Lobello. M. Lobello, qui est italien, qui est certainement un des grands arbitres internationaux, puisque c'est un homme à la fois courtois et extrêmement clairvoyant. Ce sont les Français qui attaquent maintenant par Bonnel. Contre d'Altaïr, je voudrais vous rappeler simplement que s'il n'y a aucun enjeu à cette partie, la rencontre n'en est pas moins importante et pour les Brésiliens et pour nous, pour les Brésiliens surtout, car vous le savez, ils viennent d'essuyer deux échecs, dont l'un assez retentissant, 1-0 à Lisbonne, 5-1 à Bruxelles, et je crois que parodiant les côtiers du XVIIe siècle qui commentaient les deux dernières tragédies de Corneille, on pourrait dire Lisbonne, hélas, Bruxelles, hola. Sur ce, et après vous avoir rappelé que la dernière fois où les deux équipes étaient face à face, c'était en Suède en 1958, les Brésiliens, en championnat du monde, ont battu la France en demi-finale par 5-2. Et nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Marian, aux prises avec le jeune avant-centre brésilien Ney. Cela s'écrit comme notre maréchal, Ney, mais ça se prononce Ney, Ney, que voici sur votre écran, qui est un tout jeune homme qui a 19 ans et dont ce sont les débuts aux côtés de Pelé. Leron, capitaine de l'équipe de France. Herbin. Pour Rodzic, qui joue habituellement à gauche et qui aujourd'hui joue à droite du fait de la présence du Bordelais Chorda au poste d'arrière-gauche. Bonnel, Wisniewski, Rodzic. Intervention du jeune Diaz, l'arrière central brésilien. Et vous voyez la course, la vitesse de course de Ney. Attention à Marcos. C'est un jeune aussi. Marcos, Ney et Eduardo, qui portent le numéro 3, sont tous trois des équipiers du Corinthians de Sao Paulo. Et ce sont peut-être, à ce qu'on nous dit, les espoirs de la future équipe du Brésil. Douis, la balle au pied. Oui, il y a faute de Gerson, l'intérieur brésilien sur Douis. Et M. Lobello était bien placé pour le voir. Et Douis va se faire justice lui-même, soit en passant à Bonnel, soit en tirant directement au but. Nous ne savons pas encore ce qu'il va pouvoir. C'est un coup franc indirect, donc en principe, il ne peut pas y avoir de tir au but. Du reste, la distance est telle que même Pepe y regarderait à deux fois. C'est Altaïr qui va s'emparer de cette balle. Il me semble qu'il y a eu corner. C'est une remise en touche, simplement. Bonnel. Pied dangereux de Bonnel. Et remise en jeu par Guilmar, le gardien brésilien, qui est un bel athlète et qui est un des doyens de l'équipe, puisqu'il a maintenant, sauf erreur de ma part, 33 ans. Altaïr. Zito, qui est le capitaine de l'équipe brésilienne. Djalma Santos, qui commence à vieillir et qui a du mal à se défaire de Kosu. Djalma Santos a lui aussi 31 ans, c'est un des anciens de l'équipe brésilienne, c'est le numéro 2. Diaz, on n'a pas encore beaucoup vu Pelé jusqu'ici, mais vous savez qu'il a été victime d'une contracture devant le Portugal et qu'il n'a pas joué devant la Belgique. Zito,
Gerson et finalement c'est Chanda qui s'est embarrassé. Douis, Kossou tout seul. Avec Djalma Santos, et cette fois il n'a pas eu le dessus. Les Brésiliens repartent à Gerson. Leron, Herbin. Dinalo, dont on attend beaucoup. Leron. Douis. Les Français manœuvrent assez bien jusqu'ici. Kossou. Kossou pour qui? Pour personne. Pour la tête d'Altaïr, même pas. Altaïr encore. Pour Pépé. Pépé n'est pas un ailier de grand gabarit puisqu'il mesure 1m67 à peine et qu'il a un poids de corps extrêmement léger ou relativement léger puisqu'il pèse, 66 kg, mais c'est un homme très rapide et qui a, je vous le répète, le meilleur tir du pied gauche que l'on connaisse depuis quelques années sur des stades de football. Attention, ceci peut être dangereux car Ney, l'avancante brésilien, est très rapide. Pelé, c'est la première fois qu'il intervient et il n'est pas très heureux. Mais la foule a fait une ovation à Pelé et à Pépé tout à l'heure. C'est vous dire combien on le prise ici. Douis. Je crois que le deuxième plongeon de Guilmar était tout à fait inutile, mais enfin, c'est très bon pour un gardien de se mettre ainsi en jeu. Le score est toujours nul, 0-0, et il y a, à mon chronomètre, 6 minutes que l'on joue. Les Brésiliens, chemise jaune, culotte bleue, Zito, Pelé. Que va faire Pelé? Pour Ney. Main de Ney, l'arbitre n'a rien dit, elle était involontaire. Et c'est Wisniewski qui repart pour la France. Douis, Diaz, Herbin, Kossou. Attention, ça peut être dangereux. Bonne tête de Wisniewski. Vous voyez que les Français ne sont pas ridicules dans cette confrontation. Il est vrai que ce n'est plus la grande équipe du Brésil, mais néanmoins, je crois que pour les battre, il faut jouer très bien, comme l'ont fait les Belges et les Portugais jusqu'ici. Ce n'est pas une équipe médiocre qui peut battre le Brésil. Pépé. Altaïr. Pelé. Charge de Rodzic. Un peu dur, semble-t-il, mais enfin, c'était Marion, pardon, j'ai confondu ces deux joueurs. Et un peu dur, mais la sanction de M. Lobello est juste. Car si on laisse faire pareille chose, eh bien, les parties dégénèrent très vite. Et M. Lobello, je crois vous l'avoir dit, est un homme qui a le coup d'œil. C'est Zito qui va tirer ce coup franc, à peu près à la limite du rond central, dans le camp français. Diaz. Herbin, Kossou, Douis. Dinalo. Zito. Obstruction. De Dinalo peut-être un peu sévère, mais M. Lobello a toujours le match bien en main et c'est l'essentiel. Zito. Gerson. Djalma Santos. Oui, faute de Gerson, indiscutable, sur la personne de Chorna. Je n'ai pas besoin de vous dire que les deux équipes pratiquent le 4-2-4 et je précise à l'intention des non-initiés qu'il y a 4 joueurs en avant, 2 en demi et 4 en arrière. C'est ce qui vous explique que la position des joueurs ne correspond pas toujours au numéro qu'ils portent. Wisniewski, oh là 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 là, Zito a été vraiment un peu brutal, disons. Bonnel. Dinalo. Ni l'une ni l'autre formation n'ont encore trouvé leur rythme, mais les spectateurs ici sont emballés par la rapidité du jeu et la conviction, surtout des joueurs. Coup franc pour les Brésiliens, remise en touche par Altaïr, Zito. Altaïr qui est un jeune joueur aussi. Bonnel, qui a encore ses chaussettes en place, ce qui n'est pas très bon signe, car en général il joue avec les chaussettes au ras des chaussures. Leurent va tirer ce coup franc consécutif à une faute de Ney. Douis. Ah là 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 là.
Quel dommage que nous ne puissions voir évoluer à la place de Ney, qui n'a pas démérité, certes, que nous ne puissions voir évoluer le compère habituel de Pelé, Coutinho, Pelé, en ce moment, qui est vraiment, avec Pelé, le plus beau tandem d'avant de pointe que l'on puisse voir. Mais Coutinho est blessé à la cheville et Pelé lui tient sa place avec, nous a-t-on dit tout à l'heure, vraisemblablement quelques difficultés. Je m'empresse de vous dire, pendant cette phase ralentie, que les deux équipes peuvent changer deux joueurs du champ pendant la première mi-temps et le gardien pendant toute la partie. Marian, Herbin, Diaz, Pelé. Que va faire Pelé, on ne l'a pas beaucoup vu jusqu'ici. Il n'a pas l'air en très très grande forme. Et ce sont les Français qui repartent par Wisniewski. La balle revient par Zito. Marian. Herbin. Eduardo a été légèrement incorrect avec Douy, c'est le moins qu'on puisse dire. Coup franc tiré par Dinalo. Zito. Pelé. Gerson. Marcos. Gerson. Pelé. Zito. Pepe. Qui a brûlé Rodzic. Attention, ça peut être dangereux. Bonne tête de Herbin. Et c'est reparti. 10 minutes de jeu, score nul 0-0. Les Français attaquent. Contre de Diaz, Zito, Pelé. Gerson. Ney. Leron. Bonnel. Un peu trop long pour le petit Dinalo qui a fait ce qu'il a pu. Remise en jeu par Altaïr. Dinalo. Bonnel. Douis, si les Français jouaient plus français, cela pourrait aller mieux. Balle de nouveau dans les pieds de Douis pour Wisniewski. Les Français s'obstinent à jouer au centre. C'est peut-être infiniment regrettable car les arrières latéraux brésiliens n'ont pas l'air extrêmement rapides, notamment Djalma Santos qui vient de passer à Guilmar et qui commence à sentir le poids des ans. Guilmar pour Altaïr. Pepe. Rodzic. Balle de nouveau pour Altaïr. Diaz. Zito. Ney. Zito. Gerson. Ney. Tire. Je croyais que Zito allait placer son tir. Il est aussi très dangereux pour un demi, mais vous l'avez vu. Rodzic l'a devancé. Kossou. Douis. Pepe, dont on se demande ce qu'il fait là-bas. Pelé. Gerson. Pour Pelé. Pelé qui est gaucher, mais qui peut très bien tirer du doigt et très fort. Et c'est Marian qui a eu le dessus. Toujours parfait, chien de berger, Marian. Douis. Pour Kossou. Douis à nouveau. Bonnel. Dinalo était hors jeu. Et remise en jeu pour le compte de la France par Bonnel. Pour Rodzic. Bonnel. Diaz.
Très bonne balle pour le petit Dinalo, qui a fort bien joué, car cette balle, si elle n'était pas forte, avait de l'effet. Mais Dinalo est gaucher, vous le savez, n'empêche, le coup était beau. Douis. Pour Chorda. Très avancé, vous notez que les arrières français ont largement dépassé la ligne du centre et qu'ils sont dans le camp brésilien. Pelé. Ney. Tout seul. Avec Rozic. Et là là. Carlus a eu vraiment le réflexe qui s'imposait. Pour ses débuts en équipe de France, on peut dire que pour sa première intervention, eh bien mon Dieu, il s'en est fort bien sorti. Attention à Pelé, ce n'est pas fini. Pépé. Allons, la partie s'anime un peu, il aura fallu attendre un quart d'heure pour assister à ces deux beaux arrêts de Carnus, qui est un très bon gardien, longiligne, léger, mais très souple. En avant pour Wilniewski. Corner, indiscutable. Diaz a eu l'air étonné, mais c'est bien lui qui a mis la balle hors du champ. Qui va tirer ce corner? Ce n'est pas un corner, il y a eu tacle de Diaz sur Wisniewski. Vous voyez que l'arbitre est très sévère et il a raison. Dans l'attaque française, ça n'est pas encore tout à fait ça, mais on a l'impression que ça pourrait venir d'un moment à l'autre. C'est une question de patience. Le football est un jeu de patience, comme tous les jeux du reste. Remise en jeu par le gardien brésilien Guilmar. Il y a maintenant 17 minutes environ que l'on joue et le score est toujours nul, 0-0. Pelé. Bonnel a baissé ses bas, c'est donc qu'il est maintenant tout à fait dans le bain. Altaïr, Pelé, tacle de Rozic, un peu appuyé peut-être, mais l'arbitre encore une fois était là, M. Lobello est un homme omniprésent. Pelé, avec Dinalo. Et Dinalo qui est pourtant habile n'a rien vu. Ney, Marcos. Jalma Santos, Eduardo et Chorda. Jalma Santos à la remise en jeu. On peut dire que Jalma Santos sait faire une remise en touche avec le maximum d'efficacité. Vous avez vu jusqu'où il a poussé sa balle. Coup franc contre Ney, oui, qui a un peu bousculé le rond, là, tout à l'heure. Chorda, dont c'est le retour en équipe de France. Dinalo, sur lequel on compte pour marquer des buts, et qui s'entend assez bien avec Douis, jusqu'à un certain point. Voici Bonnel. Et un arrêt énergique de Diaz. Coup franc, balle à Douis. Douis est un spécialiste des coups francs, il réussit parfois des coups très heureux. Seulement avec le mur brésilien, là, on peut se demander ce qu'il va faire. Peut-être ouvrir à gauche sur Kossou, peut-être à Herbin. Herbin dans le trou ou Wisniewski. Il a le choix. Ni l'un ni l'autre, il a choisi de faire tirer Chorda dans les conditions que vous avez vues. La mise au point d'une équipe et d'une ligne d'avant en particulier peut demander parfois un certain temps. Pour l'instant, nous n'en sommes qu'à la 19e minute de jeu. Remise en jeu par Guilmar. Tous deux gris vêtus, au contraire de ses partenaires qui sont revêtus d'un maillot bouton d'or et d'une culotte bleue. Pepe, Zito. Altaïr, Diaz. Et Jalma Santos. Et Gerson. Jalma Santos à nouveau.
Gerson. C'est peut-être très amusant, mais ça ne fait pas avancer le match d'un pouce. Djalma Santos, Diaz, Marcos, et la balle est sortie. Remise en touche pour la France. La balle à l'euro. Herbin, Bonnel. Herbin, Douys. Herbin, Douys. C'est très joli tout ça. Dépasse latérale. Et bon tir de Douys. Bon tir de Douys et bonne parade de Guillemard. Jusqu'ici, on ne peut pas dire que l'une ou l'autre équipe domine. Il me semble tout de même que les Français sont plus souvent que les Brésiliens dans le camp adverse. Djalma Santos. Herbin. Pelé. Pelé. Dont nous allons peut-être entrevoir les talents d'un moment à l'autre. Nous y voici. C'est bien la première fois qu'il se livre depuis le coup d'envoi. Zito. Pepe. Touche pour le Brésil, balle sortie par Rodzic. Altaïr. Gerson. Pelé, Leron. Repelé. Wisniewski, Bonnel. Oui, l'arbitre a raison de siffler la faute commise sur Bonnel par... Pépé, mais il me semble que Bonnel avait l'avantage et qu'il aurait pu laisser jouer. Mais enfin, nous ne sommes pas ici pour discuter les décisions d'arbitre. Sortie par Pépé. Remise en touche par Bonnel. Altaïr, Zito, Pelé. Zito. Pépé. Reprise avec le grand Rodzic. On a l'impression que les anciens de l'équipe du Brésil préfèrent jouer entre eux plutôt que de faire confiance aux jeunes. Et vous noterez comme moi des combinaisons fréquentes entre Zito, Pelé, Pepe, alors que Marcos et Gerson sont un peu tenus à l'écart. Et Ney aussi. Wisniewski. Main. Main d'Eduardo sous le nez de l'arbitre. Elle était involontaire. Wisniewski, Zito, Pelé, Gerson, la balle navigue un peu d'un bout à l'autre de cette portion de terrain sans savoir où elle veut aller. Pelé, Jordan, Dinalo, un peu timide jusqu'ici mais ça va venir. Zito, Pelé, Gerson, Marcos. Gerson, Marcos, attention à Naï, Pelé, Gerson, Pelé, pour Zito, Bonnel, Dinalo, Douys, Cossu. Et bon arrêt de Guillemard. Naï. Pour Cossu. Douys. Deux joueurs Douys. Djalma Santos, Gerson, Marcos. Qui n'a pas le dessus avec Chorda, mais c'est une touche pour les Brésiliens. Et nous en sommes à 24 minutes de jeu, score toujours nul, 0-0. Oui, il y a eu faute de Naï sur Herbin. Marian. Douys, Marion Bonnel,
Marian Rodzik. Rodzik tout seul. Pour Louis, pour Dinalo. Dinalo, Kosu. Et oh là 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 là, oh là 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 là. Oh là là. Trois occasions manquées. Une seule lui suffit. Le gardien brésilien Guilmar l'a échappé belle. Il a fait une très belle intervention la première fois. Les deux autres fois, on peut dire qu'il a eu beaucoup de chance. Marion. Gerson, Marion. Les Français sont bien partis. Là. Kosu. Douis. Eduardo. Touche pour la France. Kosu pour Herbin. Herbin, Douis. Diaz. Marcos, très replié. Le petit Marcos ne s'en sortira jamais. Chorda a eu la mauvaise idée de l'attaquer par derrière. Et c'est ainsi que le Brésil repart de l'avant. Il y a beaucoup de gauchers dans l'équipe du Brésil, y compris le gardien. Eh bien, eh bien, eh bien, il me semble qu'Altaïr a un peu bousculé Dinalo et que c'était assez volontaire cela. Mais comme Pelé lui-même avait eu des difficultés avec Rodzi quelques instants auparavant, là, l'arbitre n'a rien dit. Mais voilà que les chutes succèdent aux chutes. Marcos, Gerson, pour Pelé, qui cherche Pepe, Pepe n'était pas là, et c'est Zito qui va de l'avant et qui tire, qui rate ce tir. Bonnel, Jorda, attention à Marcos, c'est dangereux ça. Eh oui, c'est une touche pour le Brésil. Enfin, Jorda pouvait difficilement faire autre chose. Pelé, Marcos, pour Djalma Santos. Eduardo, Diaz, Pelé. On a l'impression que l'équipe du Brésil est bien désorganisée, qu'il n'y a aucun système, ni offensif ni défensif. Zito. Marion. Vous avez vu ce tir de Pelé. Cet homme est un véritable danger public. Et quand vous saurez que Pepe est capable de tirer aussi fort et à cette distance, et que Zito, qui joue pourtant en demi, peut le faire aussi, vous comprendrez que nous ayons des raisons de craindre ces tirs des Brésiliens, même à 35 mètres de distance. Luis. Kosu. Wisniewski. Pelé. Zito, Nai, pour Pepe, qui était hors-jeu. 29 minutes de jeu, score toujours nul, 0-0. Le rond. Rodzik, Marion, Wisniewski. Wisniewski est le seul joueur français avec Laurent à avoir participé au match France-Brésil de 58. Bonnel, qui est en train de s'emberlificoter dans ses propres passes. Pepe. Pelé. Pelé a l'air de dire qu'il est bien seul. Et ça n'est pas faux. Altaïr. Pepe.
Bonnel, Rodzik, Wisniewski, Dinalo qui n'a pas le dessus sur Altaïr, Herbin, Pepe, Zito, Pelé, Naï. Naï toujours. Pour Pelé. Attention mes enfants. Oh là 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 là. Et voilà. Tout seul. Voilà comment un joueur peut donner toute sa valeur à une équipe bien diminuée. 1-0 pour le Brésil. Nous en sommes à la 30e minute de jeu. Les Français remettent en jeu. Un peu découragé, j'avoue qu'il y a de quoi. Bonnel, Wisniewski, Zito, Pelé. Pelé a l'air de se réveiller maintenant. Ça y est, il est parti. Gerson, Marcos, Zito, Pepe, Pelé, je ne comprends pas pourquoi les Français n'attaquent pas la balle. Pelé, Naï, Naï, Pelé. Peut-être Naï a-t-il eut-il mérité une sanction là, mais enfin ça n'est pas grave. Luis, Dinalo, Marian, Luis. Pour Wisniewski qui n'a pas compris, pour Dinalo qui arrive un peu tard. J'ai l'impression que ce but a sapé le moral des Français. Ça n'a plus l'air de tourner très rond, mais peut-être se reprendront-ils. Nous avons encore le temps, nous n'en sommes qu'à 32 minutes de jeu. 1-0 pour le Brésil. Pelé, qui est le joueur de football qui a la détente verticale la plus considérable qui soit, et qu'il est difficile de prendre en défaut sur des balles hautes. Bonnel, Altaïr, Zito, Altaïr, Gerson, Djalma Santos, Gerson à nouveau, Zito. Pourquoi diable les Français n'attaquent-ils pas la balle? Pelé, Naï, Pelé, attention. Non, 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 Pelé n'a pas été bousculé. Rien du tout. Bonnel, Wisniewski, Dinalo, qui aurait dû tenter sa chance, car il a un bon gauche. Leron, dont c'est peut-être aujourd'hui, nous dit-on, le dernier match international, puisque Leron a l'intention de ne plus faire carrière que dans un club désormais la saison prochaine, mais enfin ça n'est qu'un projet dont nous reparlerons. Herbin, Jorda, Dinalo. Dinalo qui est d'une timidité rare, alors que là, il pouvait essayer de placer son chou. Il a préféré donner la balle à Kossou. Il est très intimidé, le petit Dinalo. Herbin, Luis et Guilmar. Et Pelé, qui vient chercher des balles, ce qui n'est pas fréquent. Très en avant pour Pepe qui était hors jeu. Marian, Bonnel, Wisniewski, Luis, Wisniewski. Oh là 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 là. Wisniewski n'a pas l'air vraiment au mieux de sa forme. Il n'est pas le seul. 35 minutes de jeu bientôt, toujours 1-0 pour le Brésil. Altaïr, Pelé, Marian, Bonnel, Marian effectue la remise en jeu pour qui? Pour Dinalo qui a manqué, Altaïr, Herbin,
Douis. Jorda. Qui se trouve là, on ne sait pas pourquoi. Marcos. Djalma Santos. Eduardo. Gerson. Jorda. Qui a profité de l'inexpérience du jeune Naï pour faire une bonne passe à Carnus. Herbin. Rodzik. Wisniewski. Bonnel. Allons. C'est raté. Rebonnel pour qui? Pour Douis. Pour Kossou. Djalma Santos. Oui, je crois que le public a raison de siffler parce que ce n'est pas parce qu'une équipe comme le Brésil mène par un but à zéro qu'elle peut se permettre de faire durer le jeu, si l'on peut dire, de jouer la... le rond. Herbin, Zito, oui, charge de Zito sur Herbin, c'est très juste. Bonnel, Wisniewski. Rodzik, Altaïr, Pelé, pour Gerson, Marcos, Marcos qui est un tout jeune joueur et qui a du mal à prendre la balle à Jorda. Naï. Marcos a 20 ans et Naï en a 19. Kossou. Luis. Wisniewski, Bonnel. Bonnel, Wisniewski, Luis. On a de plus en plus le sentiment que le but de Pelé a coupé les jambes de l'équipe de France. Et nous n'en sommes qu'à la première mi-temps. Et même à la 38e minute de jeu. Un but à zéro pour le Brésil toujours. Zito, Pelé. Herbin, Bonnel. Herbin toujours. Dinalo, qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début de la partie. Dinalo, tout seul. Pour qui ? Intervention suspecte d'Eduardo sur Dinalo, mais comme Douis avait dû faire une faute sur un autre joueur brésilien, ce sont les Brésiliens qui bénéficient du coup. Et l'on perd du temps. Et pendant ce temps, le chronomètre tourne. Eduardo. Wisniewski. Marian, Altaïr, Bonnel. Marian, Wisniewski. Oui. C'est comme ça qu'il faut jouer, mais c'est un peu tard. Et en tout cas, c'est dommage. Minutes de jeu et toujours 1 à 0 pour le Brésil. Pelé, Marian, remise en jeu par Altaïr pour Pelé, Pepe, Bonnel, Dinalo,
Eduardo Pepe. Ney hors jeu. Herbin, Jorda, Leron, Herbin, Bonnel, Wisniewski. Une main va-t-il sembler. Douis. Nous approchons de la 41e minute. Si des remplacements doivent intervenir dans les joueurs de champ de l'une ou l'autre équipe, cela va être bientôt le moment, puisqu'en deuxième mi-temps, cela ne sera plus possible que pour les gardiens. Guilmar. Leron. Herbin. Diaz. Altaïr. Zito, Ney, Marcos, Djalma Santos, Zito, Gerson, attention à Gerson, il a un tir assez fort, il s'y est pris un peu trop vite. Ce qui est dangereux avec les Brésiliens, c'est que tous, y compris l'ennemi, sont capables de tirer au but et fort adroitement et même de 40 mètres. Oui, le public est en train de morigéner Ney qui a eu quelques velléités offensives sur la personne de Carnus, mais ça n'était pas grave. Disons que c'est un péché de jeunesse. Douis, Dinalo, l'aura-t-il? Eh oui. Disons que Zito est intervenu un peu trop directement sur la personne de Dinalo alors qu'il s'agissait avant tout de jouer la balle. Jorda, Kossou. Kossou, Herbin. Kossou n'a pas très confiance en lui aujourd'hui. Marian. Pour Herbin. Altaïr. Ce sont les Brésiliens qui repartent. Gerson. Zito. Marcos. Kossou. Elle n'est pas sortie. Eduardo. Touche pour la France. 43 minutes de jeu. Je crois que le moment est venu de faire avec Thierry Roland un petit commentaire sur cette première mi-temps, puisque vous le savez, Thierry Roland a participé aux retransmissions des championnats du monde l'an dernier au Chili. Il a vu la grande équipe du Brésil, enfin ce qu'il en restait. Peut-être est-il en mesure de fournir un point de vue, une opinion sur ce que nous voyons aujourd'hui sur notre équipe. Bien écoutez, je crois avant tout qu'il ne serait pas du tout partisan ni chauvin de dire que si une équipe devait mener par un but au tableau d'affichage, ce serait plutôt celle de la France que celle du Brésil. Les Brésiliens se sont créés deux occasions de but, ils en ont concrétisé une. Vous me direz, c'est ça le football, évidemment, c'est ça le football. Mais je crois que vraiment en ce moment, après le match contre la Hollande et la première mi-temps de celui-ci, on peut dire que les dieux du ballon rond ne sont peut-être pas avec notre équipe nationale. Quoi qu'il en soit... Je crois, puisque Joseph Pasteur vous parlait de l'équipe du Brésil, qui ne l'oublions pas, est tout de même championne du monde, il faut dire que dans l'équipe présente manquent deux éléments majeurs, trois même, qui n'ont pas été remplacés. En effet, Gerson, qui tient ici le rôle que tenait Didi, n'a rien à voir avec le prestigieux joueur noir. L'ailier droit, Marco, c'est plein de bonne volonté, mais rien à voir avec Garrincha. Et enfin, Eduardo, le demi-centre ou l'arrière-central nominal, ne peut être comparé à Bellini qui œuvrait en Suède ou même à Moreau qui était déjà inférieur à Bellini et qui était le demi-centre de l'équipe du Brésil au Chili. Quant à Pelé, eh bien Pelé, il nous a paru un peu enveloppé pendant les hymnes nationaux, mais vous le voyez, il est toujours extrêmement redoutable et son tir ici du gauche vient de le prouver. Chaque fois que ce garçon a la balle, c'est évidemment un danger. Dans l'équipe de France... Parlons des nouveaux, Carnus a été bon, je crois qu'on ne peut pas lui reprocher le but qu'il a encaissé, il en a même sauvé un, il a eu un réflexe tout à fait remarquable sur une action offensive des Brésiliens au début du match, vous vous en souvenez. Les Français ont eu trois belles occasions par Wisniewski, par Douis et par la triplette Douis
Herbin et Kossou lorsque chacun des trois joueurs a tiré à son tour au but. Kossou finalement mettant la balle sur le haut du coin droit du but défendu par Gilmar. Quant à Dinalo, je crois, s'il n'a pas été très heureux en cette première mi-temps, qu'il faut mettre ses petites erreurs sur le compte de l'émotion. En effet, mettez-vous à la place d'un garçon qui, il y a quelques années, lisait les exploits de Pelé sur un magazine. Il se retrouve aujourd'hui face à face avec lui et face à face avec les Brésiliens sur la pelouse de Colombes. C'est difficile et un jeune garçon de 20 ans ne concrétise pas, ne réalise pas toutes ces choses dès le début. C'est la mi-temps qui s'achève, je vous le rappelle, sur le score 0 en faveur du Brésil. But marqué par Pelé à la 30e minute. Nous vous donnons rendez-vous pour la deuxième mi-temps dans 10 minutes environ. Ici Colombes, à vous Raymond Marcillac. Eh bien, on vient de me dire que, contrairement à ce que nous pensions, Thierry et moi, il n'y aura pas d'interruption pendant cette mi-temps. Je pense que dans 10 minutes environ, les joueurs que vous voyez passer ici devant vous pour aller au vestiaire, Marian, Rodzic, Jordan, les Français ont le masque un peu crispé, vous le voyez, et j'avoue qu'il y a de quoi, parce que Kossou, maintenant, et derrière lui, Wisniewski, Aubourg et Douis ont fait, je crois, ce qu'ils ont pu jusqu'ici, Dinalo, mais Gilmar, Eduardo, je vous les laisse regarder, c'est une occasion unique grâce aux caméras de René Lucot de faire un peu plus connaissance avec ces joueurs que nous avons l'occasion de voir très peu souvent de près. J'ai l'impression que Thierry Roland était très indulgent avec l'équipe de France. Ce n'est pas qu'elle est mal jouée, mais je ne pense pas qu'elle ait dominé, vraiment, au cours de cette première mi-temps. Bien sûr, les Brésiliens ont eu peut-être, en tout et pour tout, deux occasions de but, et ils en ont marqué un. L'équipe de France en a eu davantage, c'est vrai aussi. Les avant-français ont été maladroits dans leur tir au but, c'est vrai, et malchanceux aussi. Mais j'ai l'impression que si Dinalo est ému, et cela se conçoit pour un jeune garçon de son âge, bien qu'il ait déjà figuré en équipe nationale, j'ai l'impression que Wisniewski est presque hors de forme. Quand on a un combo au joueur qui était chargé de le marquer, en l'occurrence notre ami Marion, nous ne lui en voulons absolument pas pour ça, au contraire, mais enfin, peut-être que cette action de jeu l'a marqué pour la suite de la première mi-temps. Nous verrons en deuxième mi-temps s'il se sera remis de ce petit coup du sort. Jordan, on ne peut pas dire qu'il est démérité, non, il a fait une très honnête première mi-temps. Rodzic également, il a tenu Pépé. Mais est-ce qu'il n'est pas plus à l'aise à gauche? Oui, incontestablement, mais alors le sélectionneur Georges Vérias vous répondra qu'il est gêné pour trouver un arrière droit ayant les qualités de Rodzic à partir du moment, bien sûr, où Wendling est, comme c'est le cas en ce moment, en petite condition. Bon, reste le gardien, Carnus. Nous parlerons de Laurent tout à l'heure. Carnus ne pouvait rien sur le tir de Pelé. Je crois la balle lui est passée sous le ventre, il a plongé trop tard, puis le tir était d'une puissance et d'une précision telle que, à moins d'un coup heureux extraordinaire, il ne pouvait pas l'arrêter. Carnus a fait une bonne première mi-temps. Il a eu un très bon réflexe, l'action offensive du jeune avançant Nai. Donc, début prometteur et compte tenu du trac qu'il doit avoir, puisque c'est un très jeune gardien. Il a 22 ans et je crois qu'il faut remonter, comme le notaire de nos confrères spécialisés, à Chériguès pour trouver dans les voies de l'équipe de France un gardien aussi jeune. Donc, Carnus, bonne première mi-temps, donc, ou en tout cas honnête. Leron a fort à faire parce que face à Pelé et face à Nai qui est un petit avant-centre, jeune, encore un peu inexpérimenté, mais très remuant. Leron a beaucoup à faire et il s'en est acquitté du mieux qu'il a pu jusqu'ici. Donc disons que l'équipe de France a fait une bonne première demi-heure de jeu, que le but de Pelé l'a peut-être un peu ralenti et déçu. Et le problème qui se pose maintenant est de savoir si les Français vont reprendre le dessus sur eux-mêmes d'abord et sur leur nerf au cours de la deuxième mi-temps. Si vous voulez, maintenant, nous allons passer très rapidement. De Touche, qui sont aussi italiens, sont des hommes d'une rigueur extrême. Mais je connais bien M. Lobello, je sais que c'est un homme qui est aussi courtois que peut l'être un arbitre, mais qui est aussi ferme que doit l'être un arbitre. Et je pense que son arbitrage jusqu'ici a donné parfaitement satisfaction aux uns comme aux autres. Il faut dire aussi qu'il n'a pas eu à intervenir très souvent, il n'y a pas eu de brutalité, quelques frictions très superficielles entre les uns et les autres, mais enfin rien de grave jusqu'ici. Alors maintenant le problème qui se pose à nous et à vous tous, téléspectateurs, c'est de savoir si la France, si l'équipe de France va pouvoir refaire ce handicap d'un but qu'elle a sur le Brésil, en notamment la deuxième partie de ce match.
c'est un point d'interrogation. Si les Français retrouvent leur morale, je crois qu'ils le peuvent. S'ils pratiquent le débordement par les ailes, ils le peuvent aussi. Maintenant, le problème psychologique se pose aussi d'une façon analogue pour les Brésiliens, et ça peut être très dangereux pour nous. Est-ce que les Brésiliens qui étaient restés très démoralisés par leur défaite de Bruxelles n'ont pas repris confiance en leurs moyens en menant devant la France par un but à zéro? Est-ce que cela ne va pas se traduire par un coup d'accélérateur de leur part? C'est aussi un problème, mais je crois que l'enjeu de la partie, finalement, s'il est tout à fait moral, est extrêmement sérieux et pour les uns et pour les autres. En effet, les Brésiliens ne peuvent se permettre de perdre les trois premiers matchs de leur tournée européenne, car la suite de la tournée s'en ressentirait, bien sûr. Peut-être qu'en Italie, en Angleterre, en Hollande ou en Égypte, où doivent se produire les champions du monde après, on accepterait mal de voir une équipe avec un palmarès comptant uniquement des défaites. C'est pourquoi les Brésiliens se doivent de gagner aujourd'hui à Colombes et de bien gagner. Je crois que pour être tout à fait complet sur ce reportage, il faut que nous vous donnions le résultat d'un match préliminaire qui intéresse au moins deux villes en France, Lyon et Toulouse. Les juniors de Lyon, de Saint-Étienne, voulais-je dire, de la AS Saint-Étienne, et ceux de Toulouse Football Club étaient aux prises pour une des demi-finales de la Coupe Gambardella Junior. Et c'est Saint-Étienne qui l'a remporté par 2-1. Ce fut une partie assez plaisante, sans plus. Et nous avons vu, Thierry Roland et moi, ça et là, quelques jeunes joueurs, notamment Bettendorf, le demi-droit de Saint-Etienne, qui semble riche de promesses. Voilà, vous voyez qu'à Colombes, il fait beau maintenant. Tout à l'heure, le ciel était couvert, mais maintenant il fait beau. La température doit être de 18 degrés environ. Le soleil est de nouveau là, le vent est pratiquement nul, et le stade est presque plein. Je ne pense pas que ce soit la très très grande foule, il y a encore des trous par-ci par-là, mais je crois bien qu'on peut compter 50 000 spectateurs environ, peut-être un peu plus. Nous attendons la reprise de la partie. Je pense que cela ne saurait tarder. Et oui, Thierry Roland. Je voudrais ajouter, pour terminer avec le résumé chronologique, si vous voulez, de cette première mi-temps, pour dire quand même que la domination territoriale, si elle doit être attribuée à une équipe, c'est plutôt à l'équipe de France que nous devons l'attribuer, que les Brésiliens n'ont obtenu aucun corner contre deux à l'équipe de France. Oui, et je crois qu'on peut attribuer cette domination à la carence de la ligne intermédiaire brésilienne. En dehors de Zito, qui est un homme avisé, astucieux et intelligent, on ne peut pas dire que Gerson soit un pourvoyeur de balles. Et si, comme vous l'avez noté tout à l'heure, Didi était de la partie, eh bien peut-être que le score aurait pu être beaucoup plus lourd pour l'équipe de France. Didi jeune, naturellement, parce que Didi lui aussi a vieilli, de même que Vava. Je sais bien que le Brésil a perdu quelques-uns de ses grands joueurs et que la relève est difficile pour le Brésil, comme pour toutes les équipes qui commence à vieillir un peu. Mais enfin, je crois que le problème se pose aussi pour l'équipe de France, mais des commentaires dans ce sens nous entraîneraient trop loin. Et nous nous apprêtons à assister à la deuxième mi-temps. Vous voyez les remplaçants d'équipe de France et l'équipe de France. Rodzic qui pénètre sur le terrain, suivi de Chorda, le petit Dinalo, Wisniewski, Chilan. Est-ce que Chilan prendrait place dans l'équipe de France? Alors là, nous allons avoir des remplaçants. Il y a sûrement un remplaçant du côté français. Je me demande si ce n'est pas Kossou qui est remplacé par Chilan, car je ne vois pas Kossou. Monsieur Lobello. Eduardo, le Brésilien. Oui, Kossou n'est pas sur le terrain. Et j'ai l'impression que... C'est bien Chilan qui est là, il n'est pas possible de se tromper puisque Chilan est un homme de couleur, comme Kossou. Et alors où va jouer Chilan? Peut-être à l'aile gauche comme lors de son entrée en équipe de France, ou alors à droite en faisant permuter, qui sait, peut-être Douis avec Wisniewski. Enfin on ne sait pas très bien, mais nous allons être fixés dans quelques instants. Il semble que Chilan soit destiné à l'aile gauche puisque je vois que Douis se met en place dans le rond central. Il jongle avec la balle. L'équipe du Brésil ne semble pas qu'il change. Je vous disais tout à l'heure que Kossou n'avait pas paru au mieux de sa condition. Il faut croire qu'il ne l'est pas en effet, puisqu'il ne rejoue pas la deuxième mi-temps. Et qu'il a préféré céder sa place à Chilan, qui n'est pas spécialement un ailier gauche. Chilan que vous voyez de dos ici. Je ne crois pas qu'il y ait de changement dans l'équipe du Brésil. Non, tout le monde est là, y compris Pelé.
les téléspectateurs et les spectateurs de Colombes auraient été passablement déçus si Pelé n'avait pas repli sa place. Et Thierry Roland me signale que le seul changement que l'on puisse noter, c'est celui du ballon. Voilà. Nous allons repartir pour 45 minutes. Top chronomètre, c'est parti. Zito. 1-0 pour le Brésil, je vous le rappelle. Leron. Herbin. Jorda. Marcos. Oui, il semble que Marcos est un peu usé de ses mains, mais qu'en définitive il a été gêné soit par Chilan, soit par Jorda, et que l'arbitre a préféré lui donner un coup franc, ce qui se comprend après tout. Attention à Pelé, mes enfants. Ah là 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 là. Vous l'avez vu, un bon chat, et la balle a failli passer au fond des filets de Carnus. Et Pelé a l'air vraiment d'avoir retrouvé sa joie de jouer, car c'est un homme qui ne peut jouer au mieux de sa condition que lorsqu'il il éprouve un réel plaisir à jouer. Je ne pense pas que c'était le cas souvent en première mi-temps, mais là, j'ai l'impression qu'il est bien reparti. Herbin, Pelé, Naï, c'est involontaire. Accrochage avec Mal. Chilan, balle au pied, avec Jalma Santos. Corner pour la France. La foule est un peu injuste avec Jalma Santos. Il lui était difficile de faire autre chose. Il a un peu poussé Chilan du coude. Oui, c'est vrai. Bouy, Herbin, Guinalo. Altaïr, Pelé. Pour qui? Pour Gerson. Qui cède un peu des mains dans son travail. Et l'arbitre n'a rien dit. Monsieur Lobello est parfois indulgent lorsqu'il considère que la faute n'est somme toute pas très grave. Bonnel. Dinalo, Wisniewski. Oh là 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 là. Et Pelé qui a encore la balle pour Pepe, mais Pepe n'était pas prêt. De toute façon, j'ai l'impression que Naï était un peu parti hors jeu, mais il faut avoir l'œil de Monsieur Lobello pour s'apercevoir de tout cela. Les Français repartent par Bonnel. Bonnel, Wisniewski, Altaïr, Bonnel, Re-Altaïr, Wisniewski. Wisniewski pour Dinalo. Dinalo n'a pas eu de chance. Mais nous l'avons vu plus accrocheur dans d'autres circonstances. Peut-être que cela va venir d'une minute à l'autre, tout au moins l'espérons-nous. Naï. Rapide Naï. Attention. Corner pour le Brésil, c'est Pepe qui va le tirer. Cela peut être dangereux car Pepe tire ses corners de l'extérieur du pied gauche. Il n'a certes pas la puissance de tir balle arrêtée des coups francs, puisque là il frappe de l'intérieur du pied gauche. Mais méfions-nous toujours car Pepe est un redoutable tireur. Oh, quel effet! Wisniewski. Zito. Gerson. Zito. Naï. Zito. Pelé. Gerson. Gerson et Pelé ne s'entendent pas très bien. Remise en jeu par Pepe. Naï. Il a quelque chose d'Akesby, le petit Naï. C'est un tripoteur de balles. Et il obtient un coup franc. Attention au coup franc de Pepe. Alors là, je vous demande de bien ouvrir vos yeux, car si c'est lui qui le tire, ça peut être extrêmement dangereux. Attention. Non,
ça n'est pas pour cette fois. Wisniewski, Dinalo. Wisniewski, Dinalo, attention au hors-jeu de Douyus. Altaïr. Aïe. 6 minutes de jeu bientôt dans la deuxième mi-temps. Le Brésil mène toujours par un but à zéro. Et touche pour la France. Balle pour qui? Mais c'est un coup franc puisque Dinalo a été gêné par Eduardo au moment où il s'apprêtait à reprendre la balle de la tête. Attention, qu'est-ce que cela peut donner? C'est Bonnel qui va tirer ce coup franc. Pour qui la tête? Herbin a manqué la sienne. Zito. Et voilà les Brésils qui repartent. Pépé. Gerson. Pas l'impression de retrouver la cadence de la fin de la première mi-temps jusqu'ici. Monsieur Lobello fait signe à Altaïr qu'il doit faire la touche à l'endroit même où la balle est sortie. Et vous voyez que Monsieur Lobello voit tout. Pépé. Pépé. Attention à Pelé. Ça peut être dangereux. Heureusement, le petit Herbin est un garçon énergique à souhait. Et la réputation de Pelé ne lui fait pas peur. Néanmoins, c'est une remise en touche qui peut être dangereuse. Marcos. Jorda. Retouche pour les Brésiliens. Pelé. Jorda. Non, ça n'est pas grave, ça n'est pas grave. Pelé est un admirable artiste dans tous les sens du mot. Allons, Monsieur Lobello s'est laissé prendre au jeu. Il y avait tout simplement sorti en touche et Pelé a admirablement feint le coup de pied glissé. Et pour tout dire, la bousculade. Marcos. Pépé. Laurent. Altaïr. Laurent. Dinalo. Herbin. Chilan. Remise en jeu par Chilan pour Douyus. Corner. Eduardo a sorti la balle. Bonne tête d'Herbin. Sortie pour les Brésiliens puisque c'est Dinalo qui a poussé cette balle hors du jeu. Vous voyez que Chilan, pour un gaucher, ne s'est, pour un garçon qui n'est pas gaucher, plutôt ne s'est sorti de ce corner qu'il a tiré du pied gauche. Herbin, Pelé, Marcos. Marcos toujours. Naï. Pelé. Oh là là, si Marcos était resté à sa place. Herbin. Djalma Santos. Eduardo. Marcos. Touche pour les Brésiliens.
Pelé, Chorda, Herbin, Djalma Santos, Marcos, Chilan, Chorda. On ne sait pas très bien où on va en ce moment. Herbin, Chilan, Marian. Leron, Naï, Rodzic. Oui. Enfin, il y a une faute de Naï sur Marian, semble-t-il, mais c'est une faute très bénigne d'Inalo. Bonnel, d'Inalo. Si seulement Dinalo pouvait être en position de tir au but, cela pourrait changer bien des choses, mais jusqu'ici, il n'a eu guère d'occasion. Wisniewski. Bonnel. Pelé. Gerson. Naï. Pelé, attention. Marian. Vous voyez que Leron et Marian ne quittent pas Pelé d'une semelle si l'on ose ainsi s'exprimer. Wisniewski. Aux prises avec Altaïr. Et c'est Altaïr qui a le dessus, mais c'est quand même une touche pour la France. Minutes que l'on joue dans la deuxième mi-temps, le score est toujours de 1 à 0 en faveur du Brésil. But marqué en première mi-temps à la 30e minute par Pelé. Wisniewski, Rodzic. Passe à l'adversaire, bravo Eduardo. Wisniewski. Dinalo. Djalma Santos, Chorda. Herbin. Dinalo. Et les Français s'obstinent à vouloir passer par le centre. Marian. Altaïr remet en jeu pour Diaz. Pelé. Zito. Oh là là. Bonnel. Qui a eu le dessus sur Gerson, qui était hors jeu de toute façon. Et un choc de Pelé avec Wisniewski, ce n'est pas grave. C'est en tout cas involontaire. Zito. Naï, Herbin, Dinalo, Naï, Chorda, Chilan, Marcos, Chorda, Herbin, allons les Français, Chorda, Marian, Bonnel, Douis, Bonnel, Douis, Gerson, Wisniewski. Bonnel, Herbin, Pelé, Gerson, Pelé, Altaïr. On n'a pas l'impression que les Brésiliens veuillent forcer la cadence. Est-ce qu'ils se contenteraient du but d'avance qu'ils ont? Pelé. Chilan, Douis. Attention hors-jeu, Chilan. Bon arrêt de Bilmar, le tir de Douis était sec mais pas ajusté. Pelé. Zito. Pour le petit Naï. Qui
qui a du mal à prendre la balle, à Tchorda et à Marion Réuni. Sorti pour la France. 15 minutes de jeu dans la deuxième mi-temps. Herbin. Herbin est un batailleur et vous aurez l'occasion de voir en cette fin de partie que Herbin est très souvent en attaque et si les autres avant de l'équipe de France jouaient avec le même cœur que lui, eh bien peut-être que nous n'en serions pas tout à fait là. Rodzik. Gerson. Pelé. Gerson. Pelé. Hors-jeu de Naï. Luis. Chidan Luis. Herbin. Luis. Tchorda. Les Français devraient profiter de cette baisse de cadence du Brésil. Peut-être le feront-ils, peut-être ne le feront-ils pas, nous allons le voir dans quelques minutes. Le rond, vous savez que c'est une performance de prendre une balle de la tête à Pelé, et le rond vient de réussir cette performance. Dinalo. Herbin, Bonnel, Wisniewski, Dinalo, corner, que va tirer Wisniewski? Herbin, Dinalo, Jordan et Pelé s'en va. Marcos tout seul. Que va-t-il faire? Oh là! Marcos a un très bon tir du pied droit. Il est vrai que là, il était assez près des buts. C'est néanmoins un corner pour le Brésil. Je ne sais pas si Marcos est... C'est un bon pointeur, nous allons voir ça tout de suite. Si cela tombe sur la tête de Pelé, ça peut être très ennuyeux pour nous. Non, ce n'est pas cette fois-ci. Herbin. Luis. Luis. Bonne balle à Chidan. Il est vraiment très difficile de prendre Guilmar en défaut sur des balles comme celle-ci. Je crois que Guilmar est moins à l'aise sur les balles hautes. Mais les Français jusqu'ici n'ont pas eu l'occasion, une fois en première mi-temps, d'essayer de tromper Guilmar en tirant de loin et en haut. Marion. Herbin, Luis, Chidan, Djalma Santos était là, il conserve la balle et l'arbitre dit quoi? Ah. Oui, il y a eu hors-jeu de Chidan, mais enfin comme on était dans l'action, là on ne sait plus très bien quand Chidan a commencé à être hors-jeu et quand il n'était plus. Diaz. Jordan, Marcos, Marion, attention. Jordan, Herbin pour Luis. Herbin est encore à l'attaque. C'est encore lui qui a la balle. Luis, Chidan.
Et le petit Dinalo n'a pas la taille et le poids suffisant pour bousculer Guilmar en pareille occasion. C'est bien dommage. Les Français dominent. ...19 minutes de jeu, toujours un but à zéro pour le Brésil, en seconde mi-temps. Oui, Bonnel a un peu bousculé Nai. Est-ce que c'est très grave? Est-ce qu'il l'a fait exprès? C'est peut-être parce qu'il était emporté par le feu de l'action. Néanmoins, inclinons-nous devant la décision de M. Lobello. Qui va tirer le coup franc? Pépé, à cette distance-là, ça peut être sérieux. Attention. C'est un coup franc indirect, mais il faut se méfier. Oui, il était difficile à Pépé, malgré tout son savoir-faire, de faire autrement. Et de faire mieux en tout cas. Le rond. Pelé. Herbin. Il est partout, le petit Herbin. Marian. Encore Herbin. Dinalo. Beaucoup de fautes de la part des Français. Marian. Douis. Dinalo, Allon, Chilan. Non, là je crois que M. Lobello a dû être trompé par l'optique suivant laquelle il a suivi l'action, parce que je n'ai pas l'impression que Chilan était hors-jeu quand il a reçu la balle.